Appelli a cui hanno subito risposto due dei più ricchi e facoltosi uomini d'affari francesi, Bernard Arnault, proprietario del gruppo che possiede Louis Vuitton, e François-Henri Pinault, titolare di griffe come Gucci e Yves Saint Laurent. I due imprenditori hanno già messo a disposizione risorse per un totale di 300 milioni di euro. I danni delle fiamme sono però ancora da quantificare, la guglia, simbolo dell'edificio, e la volta della navata centrale sono crollate, si sono salvate le torri, ma la stabilità della struttura è ancora da valutare. I tempi per la rinascita di Notre-Dame si annunciano lunghi. Groupe LVMH, dont votre père est président directeur général, va faire un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction. C'est une initiative très forte, une initiative rarissime. Oui, bonjour. Rarissime, effectivement, par son ampleur, mais je dois dire que les images que nous avons vues hier soir étaient tellement saisissantes et tellement catastrophiques qu'on a pensé qu'un geste fort et symbolique était très important. Alors par ailleurs, le groupe LVMH annonce mettre toutes ses équipes créatives, architecturales, financières à disposition pour la reconstruction et la collecte de fonds. Expliquez-nous comment ça peut se passer. Alors oui, c'est une idée que nous avons eue hier soir avec mon père et ma famille. Évidemment, l'argent, c'est une chose importante et je crois que le montant est suffisamment significatif pour qu'il fasse œuvre dans cette reconstruction. Mais au-delà de ça, déjà, je pense qu'il y aura de nombreux dons, pas uniquement en France, mais à travers le monde, et que l'argent ne sera pas ce qui manquera. Ce qui manquera, ce sera sans doute quelque chose d'un peu plus intangible, c'est-à-dire des gens extrêmement compétents, de bonnes idées. Et dans notre groupe, nous avons certains savoir-faire, en particulier créatifs, architecturaux, financiers, évidemment aussi pour la conservation d'œuvres d'art à travers la Fondation Louis Vuitton. Donc nous mettons à disposition des parties prenantes de cette reconstruction tous nos salariés qui leur sembleraient pouvoir aider à cette reconstruction. Au téléphone, François-Henri Pinault, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez décidé, vous avez annoncé hier débloquer près de 100 millions d'euros des fonds pour reconstruire Notre-Dame de Paris. J'imagine votre émotion et en même temps, vous avez décidé cela très vite. Ce sont les images qui vous ont poussé à annoncer ces sous importants pour vous, ces 100 millions. Oui, oui, c'est une tragédie qui nous a tous touchés, moi en particulier. J'ai vu ma fille de 17 ans pleurer devant les images. Enfin, c'est quelque chose qui nous a pris aux tripes avec mon père aussi. Et on a voulu réagir tout de suite. C'est un défi absolument incroyable qui se pose à nous. C'est une obligation. J'ai senti ça comme ça, une absolue obligation de devoir reconstruire ce bâtiment, cette cathédrale. Et je trouve que c'est aussi, dans les temps qui courent, un geste aussi très symbolique. C'est un peu comme dans la création, on vient de l'entendre, de la cathédrale. Ça doit être une œuvre collective que de la rebâtir et de la rebâtir très vite et complètement. Est-ce que vous avez reçu d'autres appels de l'étranger, d'autres personnes, d'autres fondations qui voudraient participer? Moi, personnellement, non. J'ai reçu beaucoup de textos pour nous remercier du geste que nous faisons, mais je crois qu'on sera beaucoup à participer avec chacun les moyens qu'il peut y mettre. Mais je crois que c'est important que nous soyons unis autour de ce symbole. C'est, encore une fois, c'est le symbole de notre patrimoine, c'est notre histoire qui est en jeu, notre culture, et puis aussi quelque part notre fierté nationale. Et donc, voilà, je crois que ça concerne tout le monde. J'ai voulu réagir très vite dans la mesure des moyens qui sont les nôtres. Et face à quelque chose comme ça, je crois qu'il faut être à la hauteur, encore une fois. Merci François-Henri Pinault. Que vous compreniez bien l'ampleur du scandale. Il y a un ministère, le ministère des Transports, en juillet dernier, qui a pointé du doigt le fait que, par exemple, sur le réseau des routes nationales non concédées, il y a actuellement 38% des ouvrages d'art qui sont en très grave difficulté et 7% qui menacent de s'effondrer. Et pour tenir les routes nationales en bon état, il manque 300 millions d'euros. Il manque 300 millions d'euros, il y a 7% des tunnels ou des ponts qui risquent de s'effondrer. Et au même moment, la France, par l'intermédiaire des fonds européens, donne par exemple 900 millions d'euros à la Hongrie. La Hongrie que M. Macron, par ailleurs, décrit comme l'abomination de la désolation. Ça veut dire que, vous savez ce qui va se passer un jour?
Un jour, il va se passer qu'il va y avoir un pont qui va s'effondrer, ou comme en Italie d'ailleurs, un pont qui va s'effondrer avec des scolaires ou des personnes âgées dans un autocar, il y aura 15 ou 20 morts et les gens diront que fait l'État ? Eh bien, c'est parce que l'État n'a pas les moyens de consacrer tout cet argent, par exemple, à la réfection des routes. Merci François Asselineau. C'est un scandale. Merci François Asselineau.